Salut les terriennes, salut les terriens. Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. Quatre terriens de choix avec nous ce soir. Véronique Geneste. Véronique Geneste, bonsoir. Alors vous êtes comédienne, vous avez notamment interprété pendant 22 ans et jusqu'en janvier dernier le personnage de Julie Lescaut sur TF1 le jeudi soir. Ouais. Vous êtes ici ce soir pour nous annoncer une très bonne nouvelle. Ah. Une nouvelle que beaucoup de gens attendaient. Non, il n'est pas prévu que Julie Lescaut revienne dans de nouveaux épisodes. Julie, c'est fini. Bruno Leroux. Après Véro Larousse, Bruno Leroux. C'est normal. Bonsoir, vous êtes président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, député de Seine-Saint-Denis, ce qui fait que par solidarité avec les banlieues qui brûlent, vous roulez dans une voiture aux vitres fumées. Bravo, bravo. Laurent Lafitte. Laurent Lafitte de la Comédie Française. Alors, le jour, vous tournez des films et vous répétez des pièces. Le soir, vous les jouez à la Comédie Française. Pour tenir, vous faites des cures de magnésium, Laurent. Le magnésium, vous le prenez en poudre par le nez ou... En pipette. Et Norbert Tarrère. Alors, Norbert, vous êtes devenu célèbre grâce à Top Chef sur M6. Depuis, M6 veut vous confier plein d'émissions, dont une avec Loana, où vous cuisineriez Loana. Oui, à basse température. Oui. À basse température. Alors, en P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre terrien du samedi 20h ce soir, Christian Streif, ancien patron de Peugeot Citroën, qui raconte comment il a dû réapprendre à vivre à 53 ans après un AVC. Voilà, nous sommes ensemble sur Terre jusqu'à 20h25 avec les gréements de fortune. Laurent Lafitte de la Comédie Française. Alors, avant la Comédie Française et les premiers rôles au cinéma, Laurent, il y a eu des séries télé. Oui. Il y a eu Premier Baiser, Classe Mannequin, Femme de Loi et Julie Lescaut. Oui, vous étiez fauché, vous n'aviez pas le choix. J'ai participé à un épisode de Julie Lescaut, oui. Vous en gardez un bon souvenir? Oui, plutôt. Oui. Il ne s'en rappelle pas. Voilà, c'est peut-être pour ça. Vous avez beaucoup appris en travaillant avec Véronique Geneste, notamment les dangers du Nutella sur les tournages. Ah non, alors moi non, pas le Nutella. Ah, c'est pas du Nutella. Parle-moi du comté, parle-moi du fromage, mais ah, pas du Nutella. Ah, du comté, j'adore. Je suis pas sucre du tout. Ouais, bah, oui, bah, on a ça en commun, moi aussi. Bah ouais, le fromage. Alors, beaucoup d'acteurs et d'actrices ont commencé dans Julie Lescaut. Il y a eu Bérénice Bejo, il y a eu Audrey Tautou, il y a eu Jean-Paul Rouve. Ouais. Mais le seul qui se retrouve à la Comédie Française, c'est Lolo, quand même. Oui, oui, c'est, bah, ça dépend. Il y a des acteurs que ça ne fait pas rêver du tout. Ah, moi, ça me ferait rêver. Oui, moi aussi. C'est pour ça que j'étais content qu'on me propose d'y aller. Il est sympa, Molière. Molière est très sympa. Ouais. Très, très sympa. Alors, vous êtes pensionnaire. Hein. Oui. C'est-à-dire, vous êtes obligé de dormir là-bas le soir. Voilà. Avec tous les inconvénients et les avantages. Bien entendu, oui. Alors, je suis allé faire un tour sur le site de la Comédie Française pour voir votre CV. Vous ne faites pas mention ni de Classe Mannequin, ni de Julie Lescaut. Hein. Non, c'est parce qu'il fallait réduire. Et Cachou, alors, pareil, elle n'y est pas, Cachou. Non. Elle n'a jamais existé, Cachou. Mais peut-être que si elle intègre la troupe... Oui, Cachou à la Comédie Française, pourquoi pas. Alors, au cinéma, vous tournez beaucoup. Hein. Vous êtes ici ce soir pour un film intitulé « Tristesse Club ». Précisons que ce film est d'ores et déjà nominé pour le César du meilleur film, dont le titre fout le cafard. Moi, je trouve drôle le titre. C'est pas un film triste, il y a de la mélancolie, mais c'est pas triste. Dans la même catégorie, il y a aussi « N'oublie jamais que tu vas mourir », Cancer à Saint-Tropez. Drôle, voilà. Ouais. On regarde à quoi ça ressemble déjà. D'accord. Bruno, c'est Léon. Je t'appelle pour t'annoncer une bonne nouvelle. Ouais, ça change. Papa est mort. En week-end ou quoi? J'ai pris que l'essentiel, hein. C'est quoi l'essentiel pour un enterrement? C'est Bruno, c'est ça? Pardon, on se connaît
quelqu'un qui débarque, qui dit qu'elle est ta sœur et toi tu kiffes. Bah ouais. Tu fais comment d'habitude? Ben, je tombe souvent en panne. Qu'est-ce qu'il est con? Comment? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On te dit que notre père est mort, on se pointe à rien, tu trouves pas ça chelou? Je sais que ça te fait chier que ce soit notre sœur. Hein, te mets un os dans le kiki, non? Je sais que t'as pas un rôle et tu traites ton fils comme de la merde, comme papa traité, donc ça va. T'as pas un chéquier? Papa, j'ai 10 ans. J'ai vachement envie de t'embrasser. Pour la première fois de ma vie, je vais te demander de faire quelque chose pour moi, de m'accorder cette journée, pour qu'on puisse retrouver notre père qui a disparu. Je laisse toujours la fenêtre ouverte au cas où quelqu'un ait envie de m'assassiner. Ouais, c'est elle. Voilà, Tristesse Club de Vincent Mariette, avec Laurent Lafitte, Ludivine Sagnier et Vincent Macken. Ça sort le 4 juin. Alors, c'est quand même un film très, très décalé. Hein. Oui, 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 c'est un film très, très singulier. Le ton voilà. est très particulier, ça fait penser un peu aux comédies de Blier. Ouais. Puis esthétiquement, c'est très inspiré aussi de Wes Anderson. Tout à fait. Voilà. Alors vous, je vous connais, Ludivine Sagnier, je la connais, mais Vincent Macken, je connaissais moins. Ouais. Il est vraiment formidable. Il est aussi, formidable. Hein. Il est... Il faut dire aussi, il y a Noémie Lvovsky, qui est, ouais. comme d'habitude, excellente. Ouais. Ouais, ouais. Non, non, il y a une bonne. C'est un équipe. Bon film. Ben, j'en suis très, très content. Ouais, ouais, vous pouvez. J'en ouais. suis très content. Peut-être que vous serez nominé au César. Ah, ça. En tous les cas, je ne vous souhaite pas un remettant comme ça, moi, personnellement. Bonsoir. Le scénario, c'est la colonne vertébrale d'un film. Et la moelle épinière, qui sont la moelle épinière, que sans la colonne vertébrale, la moelle épinière que sont les acteurs ne saurait pas où se situer. Et le squelette d'un film qui est en fait le réalisateur qui est le squelette de ce film ne bénéficierait pas de cette moelle épinière et ne pourrait pas marcher. Voilà. Alors génial. Alors, Laurent, dans toutes vos interviews, vous dites « Je ne suis ni de gauche, ni de droite, et je ne suis pas centriste. Ouais. » Alors, vous ne serez pas étonné que je vous fasse une interview « Oui, mais... » D'accord. Alors, je vais vous demander de finir ma phrase. Faire du cinéma, c'est bien, mais... Mais faire de la télé, c'est pire. Je suis à la Comédie Française, en effet, mais... Mais je fais aussi des comédies françaises. Voilà. Les amis de la télé, c'est génial, mais... C'est génial, mais j'en ai pas. Voilà. J'adore la France, mais... Mais j'aime l'Angleterre. Je suis peut-être le meilleur comédien du monde, mais... Mais je suis pas le seul. Très bien. Je n'ai peur de rien, mais... Mais ça fait peur. ça peut faire peur. Je n'apprécie pas particulièrement les partouzes, mais... Mais j'aime bien baiser à plusieurs. Je ne suis pas raciste, mais... Mais je suis content d'être blanc. C'est vrai. Norbert Tarrère, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes devenu célèbre lors de votre participation à Top Chef en 2012. Exactement. Épreuve gagnée par celui qui deviendra votre ami, Jean Humbert. Oui. Vous n'êtes que troisième. Oui, que non, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Troisième, c'est bien. Surtout que vos répliques deviennent cultes. Il y a chez vous du Frédéric Dard, du Michel Audiard. Et un peu de Jean-Marie Bigard, je dirais. Ah, Jean-Marie Bigard, je connais le reste, je connais pas trop. Ouais. Honnêtement, voilà. Moi, je suis plutôt dans la poissonnerie, charcuterie, moi. Alors, vous n'avez pas été jaloux de Jean, parce que finalement, Jean Humbert, il a été premier au concours, et en plus, il a remporté Miss France 2006. Tant mieux pour lui, et voilà, après, on mérite ce qu'on a semé, quoi. Donc, voilà. Troisième, c'est très bien.
Alors, depuis 2 ans, M6 vous met un petit peu à toutes les sauces. Oui. On vous a vu dans 100% fou, dans Pékin Express, et puis dans ça. Ah, vous avez fait mal. Je me suis arraché les ligaments de la chemise. Et j'ai continué l'émission parce qu'il y a eu des rumeurs qui étaient colportées comme quoi je trichais pour laisser ma place à Clara Morgan. Donc voilà. On est déjà payé avant de faire l'émission, donc ouais. On n'a pas besoin de tricher pour gagner du pognon. Voilà. Ceci étant, il faut reconnaître que c'est beaucoup moins risqué que d'être chroniqueur chez Valérie Damido. Alors désormais, on vous retrouve tous les vendredis soirs à 20h45 avec sur Cister avec Jean Humbert pour Le Défi. On regarde à quoi ça ressemble. Cette semaine, tous à la caserne. Humbert et Jean, Jacques Cuisinier, première compagnie du capitaine. La pâte et on va en porte-piécé. Finition, tout douceur. Hein. On n'est pas là pour rigoler, donc feu. La tablette, nettoie ça s'il te plaît, dépêche. Hein? On a un peu la pression, le mec est un peu costaud, c'est un caporal. Si ça plaît pas à ma brigade, bah Défi sera tout simplement perdu. Voilà, c'est tous les vendredis à 20h45 sur Sister. Alors c'est quand même la 4e saison. Hein. Oui. Ce que vous avez de très actuel, tout à fait dans l'esprit de la France actuelle, c'est que vous savez faire de la cuisine avec un frigo vide. Ah oui, mais j'ai grandi avec un frigo vide. C'est important pour les Français en ce moment. Un frigo vide ou du discounter. Hein. Donc oui, voilà, j'ai appris à me démerder. Justement, j'ai fait un bouquin qui s'appelle J'ai paradis sur ça. C'est fou le nombre d'émissions culinaires qu'il y a à la télé en ce moment et le nombre d'obèses qui les regardent en même temps. C'est vrai que c'est ça qui est inquiétant. C'est que moins on a de pognon, plus on est gros. Mais c'est ça qui est inquiétant. Il faut faire attention à ça quand même. Alors vous allez faire un one-man show qui s'appelle Norbert refait la carte. Oui. Alors comme on vous connaît, les gens vont vous lancer des tomates, vous allez faire une ratatouille, c'est ça? Non, je l'ai fait même monter sur scène. Comme ça, la jette en pleine gueule directement. Voilà. On peut s'expliquer au moins. Et on va faire à manger surtout, ça qu'il faut dire. Sur scène. Sur scène. C'est marrant, il arrive à faire un spectacle avec la cuisine, c'est extraordinaire. Bien. Sur une réflexion, les gens me disent, Norbert, on peut pas juger, on peut pas goûter ce que vous faites. Eh ben, j'ai dit, bordel, ben, on va le faire bouffer. Vous allez venir manger ce que je fais. Du train où vont les choses, vous finirez à la Comédie Française. Norbert, est-ce que vous parlerez de votre père dans ce spectacle? Ouais, je parle. C'est mon secret à moi, quoi. Ça reste. Je crois que c'est l'amour le moins abouti de ma vie. C'est-à-dire, votre père, en fait, ce qu'il faut dire, c'était un type qui avait beaucoup d'argent, hein, qui était charcutier, poissonnier, il avait 4 maisons, un chauffeur, parti en vacances à La Réunion. Enfin, c'était vraiment un type qui avait du pognon. Ouais. Et vous n'avez jamais eu aucun contact avec lui. Vous n'arriviez pas à avoir un contact avec j'arrive lui. Pas, oui, j'arrive pas à établir le lien. C'est ça, même encore à 34 ans, j'arrive pas à établir un lien. Et alors, on s'est foutu sur la gueule, je l'ai insulté, je lui ai cramé sa baraque, j'ai fait des milliers de conneries. Et pour susciter en lui une réaction, qu'il me foute une branlée, qu'il me prenne dans ses bras. Et bizarrement, il n'y a rien. Ça, c'est un jour, quand vous aviez 9 ans, il a dit, c'est pas mon fils, je l'ai eu à la DAS. En plus, il l'a pas dit. Face à moi, je l'ai entendu. Ce qu'il faut dire quand même, il vous a planté. Vous viviez dans une maison de 600 mètres carrés de 3 étages et il est parti, vous aviez plus de thunes, vous êtes obligé d'aller vivre dans la ZUP d'Argenteuil. Enfin, je veux dire, c'était violent pour vous quand même. Tu t'adaptes quand t'es petit. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est... moi, aujourd'hui, ça va me faire chialer, mais c'est l'amour de mon père quoi, qui manque. Même aujourd'hui, je pourrais dire j'ai tout. Mais en fin de compte, il y a toujours une place à prendre, quoi. C'est une place qui est vide, c'est celle de mon père. Et je peux tout avoir. C'est ça qui est dingue, c'est que je me rends compte, et même grâce à la télé, tu peux tout avoir. Mais quand t'as pas l'essentiel, c'est un peu plus compliqué. Alors, ce qui s'est passé, évidemment, à 15 ans, en fait, une tentative de suicide. Oui. Ensuite, vous partez dans un restaurant à Londres, au début, comme plongeur. Oui. C'est là que vous prenez le goût de la cuisine. En revenant, vous travaillez avec Bernard Loiseau. Exactement. Qui, lui, a réussi son suicide. Contrairement à vous, je veux dire. Ah, bah, moi, j'avais prévu, j'avais pris un truc pour dormir, j'avais pris l'Exomil. Ouais. Mais comme un con, je l'ai coupé avec du coca, donc ça m'a pas... Et voilà. Ah ouais! Oh là là! Eh oui. Oh là 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 là! C'est fini. Oh. Bah, l'ultime épisode de Julie Lescaut a été diffusé le 23 janvier dernier, après 22 ans d'antenne. Là, c'est bon, hein, ça va, 22 blagues les flics. Alors, vous avez déclaré vous-même d'ailleurs, ma pauvre Julie commençait à s'encrouter. Ah ouais. Le fait qu'elle soit encore commissaire
la rendait presque ringarde. Bah oui, j'aurais pu passer divisionnaire. Oui, c'est ça, oui. J'aurais pu finir préfète, oui. Je sais pas, oui. Moi. Non, ministre de l'Intérieur. C'était pas ouais. Cool. Présidente, j'en sais ouais. Rien, bah, effectivement. Mais non, je trouvais ça un et peu puis, dommage. Et puis, il y avait les cascades, vous dites, à 57 ans, on n'a plus envie de se rouler dans la boue. Non, mais même avant, on n'a pas forcément envie de se rouler dans la boue. C'est vrai. La plus grosse cascade que vous faisiez à la fin, c'était taper à la machine, finalement. Non, même pas. Tu vois, j'avais peur de me casser un ongle. Non, on peut charrier, quand même. Et puis, voilà, quand on compare, effectivement, les séries françaises avec les séries américaines, c'est très différent. Les séries américaines, on leur donne un nain, ils font Game of Thrones. Mm-hmm. Les Français, on leur donne une naine, ils font Joséphine Ange Gardien. C'est vrai que c'est pas comparable. Ah, t'es vache. Alors, Véronique, vous êtes ici ce soir pour la sortie d'un livre intitulé 22 Vla Julie, où vous racontez tout, mais absolument tout. Hein. Quand je pense que vous avez fait jusqu'à 11 millions de spectateurs en un soir. Record 12 millions 6. C'est incroyable. Bravo, hein. Bravo. Juste avec un blouson en cuir et une Renault Scénic. Ouais, tu vois, énorme, en plus, bon budget, économique. Alors, ce qui est très drôle, donc, c'est que la première diff, vous faites un succès extraordinaire. En fait, 42% de part de marché. Ce qui était beaucoup. Et le lendemain, vous tombez sur Patrick Poivre d'Arvor qui vous dit « Bonne pénétration dans la ménagère ». De la ménagère, oui. Alors, j'ai appris ce que c'était après que pénétrer la ménagère. Et je l'ai beaucoup pénétré. Ah, oui. Et je l'ai bien pénétré. J'ai bien pénétré la ménagère. Ouais. Alors, résultat, vous avez eu 3 sets d'or. Ouais. Et vous avez été décoré de la Légion d'honneur par Jacques Chirac. C'est vrai qu'il pensait que vous étiez vraiment commissaire? Oui. Mais alors, dans ce livre, ce qui est intéressant, c'est que vous ne parlez pas seulement de Julie Lescaut, vous parlez de votre enfance. Ouais. À l'époque, vous appeliez Véronique Combouillot. Il faut le faire. Hein. Ah, il faut le faire. Les gens me disaient mon nom, ils disaient Véronique Grosbouillon ouais. Ou un truc comme ça. Donc, finalement, je me suis dit, il faut en changer. Alors, il y a un truc très intéressant, c'est votre découverte du théâtre. C'est-à-dire que vous allez assister à des cours, je crois, de musique, et vous passez par un souterrain. Ça, c'est quoi, j'ai et là, vous découvrez Jean-Pierre Vincent, ouais. Qui dirige des acteurs, et vous dites, c'est ça que je veux faire, en fait. Ouais, je me planquais dans la salle, et passais des journées à les entendre, à les écouter, et ça, ouais. M'a donné ça m'a donné l'envie. Je l'avais déjà, hein, ouais. Mon père m'appelait Sarah Bernard, ouais. J'avais déjà cette envie d'être comédienne, mais là, ça s'est concrétisé, voilà. Alors, vous racontez les pubs, vous racontez Nana, qui a quand même été un moment très important de, ouais. De votre carrière. La mort de votre frère, ouais. Olivier. Oui, oui. Bah, elle fait partie de ma vie. C'est un des derniers à ne pas avoir profité, finalement, des thérapies qu'il y a aujourd'hui pour le sida, votre frère. Il a profité de rien. Ouais. Et c'était un des derniers à partir de toute cette vague de gens qui sont voilà, partis. Voilà, c'est ça. Parlez aussi de Mousse Diouf. Comment parler d'huile et pas parler de Mousse, ouais. Hein, franchement. Alors, vous avez commencé dans la pub avec... Mini-mire, mini-prix, mais il fait le maximum. Ah ouais, c'est hein ça. Génial. Ah ouais, ouais. Mini-prix, mais Julie Lescaut, ça s'est quand même terminé à 250 000 euros par épisode, non? Qu'est-ce que t'en sais, toi? Non, mais attends, il y a des chiffres qui sont lancés comme ça. Ah ouais. Eh ben, tu te trompes. Ah, c'est plus. Tu te trompes. C'est 300 000. Tu ne sauras jamais. Alors, il y a une pub de vous que j'aime beaucoup, c'est ça. Madrange? Aïe, aïe. Vous Madrange? Vous n'y pensez pas. Madrange, je l'aime. Il a tant de caractère, il est si tendre. Et cette chair, rosée, juste comme il faut. Mmh. Enfin, vous voyez, le plaisir chez nous, c'est sacré. Ah ouais, ouais. Alors, Madrange de jambon. Est-ce que c'est par amour du jambon oui, bien que sûr. Vous êtes devenu islamophobe? Non, mais... Hein? Est-ce que c'est par amour du jambon tu fais des écarts, que toi, vous êtes devenu islamophobe? Je me suis trompée de mot. Je suis islamocritique, voilà. D'accord? Oui. D'accord? Comme ça, oui. Et on veut le mettre à toutes les sauces, ce mot-là. On va faire de la sémantique. Tant qu'on n'aura pas défini exactement ce mot, je pense que je m'en tiendrai là. Voilà. Sur l'islamophobie, vous n'êtes pas allé de main morte, quand même. Non, pourquoi? Bah, regardez. C'est une petite phrase que vous avez écrite. Ah, une grosse phrase. Une grosse phrase concernant l'islam. Oui, 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 concernant la religion. Qu'est-ce que vous avez dit sur l'islam, vous pouvez nous répéter? J'ai dit que je trouvais l'islam dangereux pour notre démocratie et que nous le prouvait tous les jours. Et bien sûr, évidemment, que je parlais des extrémistes, et bien sûr, évidemment. Mais alors, donc, tout de suite, islamophobe, raciste. Alors, moi, j'ai réfléchi, et je me suis dit, islamophobe. Islamophobe, ça veut dire la phobie, c'est la peur. Mmh. Hein, c'est bien ça. Oui, c'est la peur de l'islam. Alors, effectivement, peut-être je suis islamophobe. Voilà. Alors oui, je vois pas ce que ça, je vois pas ce qu'il y a de mal à dire ça. Ce qui vous fait peur, Véronique, c'est pas l'islam, c'est les islamistes. J'imagine. Écoute, je m'en fous, tu vois, honnêtement.
Cette conversation me gonfle. Mais honnêtement, moi, la religion me fait chier. Tu veux que je te dise? Oui. Totalement, toutes. Alors, passons à autre chose. Julie Lescaut, ah, mais... c'est formidable. Moi, j'ai essayé parce que quand j'avais vu ses déclarations, j'ai essayé de les regarder. Mais c'est pour ça que je pense que c'est plutôt les extrémistes, parce qu'elle avait ajouté quelque chose, il me semble. Oui, elle aurait dit à l'époque de l'Inquisition, j'aurais été anti. C'est vrai. Voilà. Ouais, donc, mais tu vois, c'est ça, voilà. J'aurais été christianophobe, vous avez dit. Voilà. Mais ça me gonfle, j'ai pas envie d'être dans la position de l'accusé parce que je n'ai rien fait de mal. Voilà, je me sens très très bien, tout va bien. Ce qui me surprend, aujourd'hui, je pense être le plus jeune, hein, sans être déplacé, c'est qu'il n'y a plus de tabou en France, mais on peut parler de rien. Ouais. Ce qui est dingue, c'est que si tu dis le mot arabe et que t'es blanc, t'es raciste. Tu dis mot juif et que t'es blanc, t'es antisémite. On peut plus rien dire. Il faut qu'on se fasse un petit comité à la maison. Ouais, et limite, t'es gêné quand tu lances une blague. Tu vois ce que je veux dire? T'es gêné, tu dis comment on va le prendre le mec. Mais merde, on est dans la tolérance et on peut quand même rigoler entre nous. C'est politiquement correct, Norbert, maintenant. Laurent? Non, mais moi, j'ai pas peur de l'islam. Beaucoup de gens en ont peur. Si Véronique en a peur, elle a le droit de l'exprimer. Et ce qui est intéressant, c'est d'écouter ça. Par contre, c'est important de ne pas diaboliser les gens qui s'expriment et de les écouter, de même qu'il ne faut pas diaboliser les gens qui ont voté différemment de ce qu'on aurait pu voter pour les européennes. Ce sont des signaux qu'il faut écouter, qu'il faut prendre en compte. Et ça a été très bien compris par énormément de gens. Je pense que ceux qui l'ont mis en exergue et qui ont voulu vraiment en faire quelque chose de mauvais, c'est ceux qui avaient intérêt à en faire quelque chose de mauvais. Mais maintenant, alors, vous faites attention à ce que vous dites, alors? Non, pas plus, non. Bruno Leroux, rebonsoir. Bonsoir. Alors Bruno Leroux, vous êtes ici ce soir pour un livre intitulé « Pourquoi Hollande va réussir ?» Je précise, c'est un livre de science-fiction. Alors votre job, c'est député de Seine-Saint-Denis. Le 9-3 est dans la place. Tranquille, cousin, wesh wesh. Ça va. Votre deuxième job, c'est président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. C'est un poste essentiel puisqu'il faut obliger les députés PS à voter des lois auxquelles ils sont opposés. Je veux dire, c'est très fort, bravo, vous y arrivez. C'est pas la réalité, mais c'est difficile des fois. Ouais. Vous avez essayé l'hypnose? C'est le passage dans le bureau. Alors, marquez l'avantage, c'est que vous leur faites voter des lois qu'ils ne veulent pas voter, mais comme toutes ces lois sont retoquées par le Conseil constitutionnel, finalement, à la sortie. Tout le monde est content, non? C'est pas la réalité. Il y a quelques articles qui ont été... toutes les lois ont été validées. Ça va être dur de leur faire avaler les lois qui arrivent, là, non, aux députés socialistes, là. Lesquelles? Celles qui vont baisser les impôts des Français? Je sais pas, le retour du franc, le retour de la peine de mort, ça va être compliqué, non, quand ça, même. C'est pas prévu. Ah non, c'est pas prévu, non. Ça. Non. Non, c'est pas demandé par les Français en même temps. Ils, sont, ils ont des jugements qui peuvent être durs en ce moment, mais ils ne sont pas encore sur ces éléments-là. Ni ils n'ont pas voté pour la sortie de l'Europe, ils n'ont pas voté pour le retour de la peine de mort. Tant mieux, d'ailleurs, mais s'ils le faisaient, j'aimerais bien les discuter avec eux pour essayer de les convaincre de ne pas continuer. Enfin, votre boulot, c'est très compliqué quand même. Vous êtes un peu, pour les amateurs... de House of Cards, vous êtes un peu le Frank Underwood français. Non, mais c'est vrai, vous êtes celui qui prend les députés, qui leur explique qu'il ne faut pas faire chier, quoi. Non, j'ai une différence avec lui, c'est que je suis président d'une groupe avec une forme de fidélité au chef de l'État, on en reparlera peut-être tout à l'heure, que lui n'a pas eu durant toute la série. Alors, avec Sapin, Le Foll, Le Drian, vous faites partie des Hollandais historiques. J'ai connu à 3%. Bah, bientôt, ça va arriver. Hein. C'est bien pour ça. On n'est pas loin, on est à 14. Je l'ai. Non, mais vous savez quand même que sa popularité, là, elle est à peu près au niveau de Francis Holm, là, en ce moment, non? Vous êtes au courant, quand même. Moi, j'ai une chanson pour lui que j'adore. C'est le pingouin que l'on aperçoit tout matin. Les bras ballants, le pingouin. Les bras ballants, mais l'œil autant, car il le prétend, le pingouin. J'adore cette chanson. Je ne suis pas très fan de Carla Bruni, mais ça le décrit assez bien, non? Vous ne trouvez pas? Elle a dit que non. Elle a dit que c'était Elle a dit que c'était pas lui, Elle a dit que c'était pas lui. Oui, en même temps, c'est la femme de Sarkozy, il ne faut pas croire tout ce qu'elle dit. Je ne crois pas ce qu'elle dit. Comment il va, François Hollande, là? Parce qu'on a l'impression qu'il ne va pas terrible, et qu'en plus, son GPS parle en allemand, donc un peu compliqué pour lui, non? Comment il va? Il réfléchit à la façon dont le lien se réopère avec les Français. Ouais. Il est là pour 5 ans. Comment est-ce que dans les 3 ans qui restent, les dimensions importantes pour les... Et surtout, il renoue le lien à partir du moment où les Français commencent à le regarder en disant « Tiens, ça bouge, ça réussit, on envoie les perceptions. » Et aujourd'hui,
C'est latent. C'est dur pour lui. Vous avez vu le dernier sondage, là, les Français auraient préféré que ça soit Valérie Trier-Weller qui reste à l'Élysée et lui qui parte, quand même. Bon, on va en parler. C'est le thème du débat. On passe maintenant à l'actualité de la Terre avec l'édito de Blacko. Et c'est Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la République, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Ce soir, nous poserons la question, François Hollande va-t-il finir comme Louis XVI? Hollande va-t-il finir comme Louis XVI? Avec la déroute du PS aux européennes, le couperet est tombé. Un électeur sur quatre a voté pour l'extrême droite. Le peuple de France n'en peut plus de son petit roi bedonnant. Il n'y a rien qui marche. Alors, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'argent, donc faut qu'ils se mettent au boulot, les gars, au boulot, au boulot. C'est pas qu'on veuille lui couper la tête, non. C'est juste que les Français lui ont foutu un grand coup de pied au cul pour qu'il dégage. Cela dit, la comparaison avec Louis XVI n'est pas nouvelle. En mars dernier, NKM trouvait déjà la ressemblance frappante. François Hollande, aujourd'hui, il est enfermé à l'Élysée. Il fait penser à qui? Vous savez, en 1789, Louis XVI, enfermé à Versailles. À gauche, c'est Mélenchon qui déclarait dans Libé que Hollande est aveugle comme Louis XVI. Et dans les médias, Hollande s'est retrouvé à la une du Point avec une perruque poudrée sur fond de révolution. Évidemment, tout ça, c'est du grand n'importe quoi. Faut vraiment être complètement débile pour croire que Hollande va quitter son trône. Il ne peut concevoir son destin dans le repli. Il suffit d'ailleurs de dresser la liste de ceux qui ont réclamé sa démission pour s'en convaincre. Henri Guénaud voulait qu'Hollande démissionne après le mariage pour tous. Partez avant qu'il soit trop tard. Marine Le Pen voulait qu'il démissionne après l'affaire Leonarda. Le premier qui devrait démissionner, c'est pas Manuel Valls, si vous voyez à qui je pense. Et même Madame de Fontenay voulait qu'il démissionne après l'affaire Julie Gayet. Je demande la démission du président de la République. Bref, n'importe quel people de seconde zone peut réclamer la démission de Hollande. Je demande la démission de François Hollande. Le problème, c'est que ce n'est pas en passant à la télévision qu'on fait la révolution. Pour prendre le pouvoir, faut se battre dans la rue. Alors c'est vrai que la manif pour tous a rassemblé pas mal de monde, mais c'est pas des familles de cathos avec 12 gosses sur les bras qui vont grimper sur les barricades. Les seuls vraiment capables de mobiliser leurs militants, ce sont les syndicats. Mais vu qu'ils s'accrochent de toute leur force à leurs avantages acquis, il ne faut pas compter sur eux pour que ça change. Si on veut être sérieux deux secondes, le problème, c'est pas que Hollande ressemble à Louis XVI. Le problème, c'est que la 5ème République est en train de devenir comme l'ancien régime. D'un côté, le PS dirige le pays alors qu'il ne représente même pas 15% des électeurs. Et de l'autre, l'UMP est en train d'exploser en vol avec la démission de Copé suite au scandale Pygmalion qui éclabousse tout le parti. Résultat, alors qu'Hollande vient de changer de Premier ministre et de promettre des baisses d'impôts, sa popularité reste au plus bas. Pauvre François, on se demande comment il va encore tenir 3 ans à l'Élysée. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Nicolas Dupont-Aignan, bonsoir. Vous êtes président de Debout la République. Bienvenue parmi nous. Alors, François Hollande finira-t-il comme Louis XVI? La comparaison n'est pas très sympa pour Louis XVI, parce qu'à l'époque de Louis XVI, la France était le premier pays du monde. Alors, examinons la situation. Après les européennes, qu'est-ce qui va changer? Rien. Hollande a dit « je vais garder le cap ». Valls a dit « je vais garder le cap ». Donc l'orchestre du Titanic continue à jouer. Rien ne va changer en France. Hollande va gouverner 3 ans avec 80% d'impopularité. Rien va changer en Europe. Hollande est faible à Paris. Il ne peut pas être fort à Bruxelles. Il ne peut pas lutter contre l'ultralibéralisme et le traité transatlantique. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Mais l'objectif, ce n'est pas que les choses se poursuivent comme cela, ni au niveau européen, ni au niveau français. Le cri qu'il y a eu contre l'Europe, une Europe dont on ne sait plus comment elle avance, dont qui ne construit plus rien, il faut quand même l'entendre aujourd'hui. Les thématiques qu'elle développe sont des thématiques où elle ne sait plus se faire aimer. Elle ne propose pas de grands projets. Ça, c'est votre nouveau discours. C'est-à-dire que maintenant, vous ne nous dites plus « il faut croire à l'Europe ». Vous dites l'Europe, c'est pas si bien finalement, il faut la modifier, quoi. Non, c'est votre nouveau truc. Il faut la changer. Si jamais on avait un débat avec Nicolas Dupont-Aignan, je dirais, on peut être souverainiste et dire aujourd'hui, on reprend nos billes, on reprend notre monnaie, on reprend notre souveraineté et on décide ici. Moi, je pense tout le contraire. Mais je pense que ce débat, il faut l'imager par autre chose que des réductions de déficit, des chiffres de 3% et des éléments. Il faut concrètement y mettre du projet européen. L'objectif, c'est. Moi, vous savez, l'objectif, il est de rencontrer ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est quand je suis en Seine-Saint-Denis.
quand je rencontre un de mes électeurs et que je vois dans son regard qu'il n'a même plus envie de m'engueuler. Et moi, ce que je veux revoir dans leurs yeux, c'est de la fierté. De la fierté de se dire, tiens, ils ont réussi quand même à bouger les choses. Bon, Dupont-Aignan, alors qu'est-ce qu'on fait? Hollande, démission? Hollande, dissolution? Ou Hollande, révolution? Soit il s'en va, mais il ne va pas s'en aller. Ça, c'est la démission. C'est la démission. Soit il dissout. À ce moment-là, il se retrouve avec, en avec cohabitation. Une... On sait pas. Il devient un président de la 4e République. Quoi. Voilà. Bon. Il inaugure soit les chrysanthèmes. Il change de politique. Oui. Le problème, ce qui m'inquiète, c'est qu'ils ne veulent pas changer de politique. C'est ça le drame. Moi, j'ai écouté l'intervention de François Hollande, c'était lundi soir. Elle était surréaliste. Au début, ça commençait bien. Tiens, je me suis dit, tiens, il y a du nouveau, il a compris un truc. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, il y a eu un moment, on a l'impression que c'est la schizophrénie totale. Oui. On continue. Il faut continuer, l'Europe c'est bien, cette Europe-là bien sûr. Et puis je vais aller demander l'autorisation, et ça a été très symbolique et très intéressant. Je vais demander l'autorisation, je vais aller parler au Conseil européen, et je vais dire, je ne suis pas content. Et le problème de François Hollande, je vais vous dire, pourquoi il ressemble à Louis XVI? C'est sa faiblesse. C'est qu'au lieu d'aller à Bruxelles dire, il y a le feu dans la maison, moi maintenant, chère Madame Merkel, ce que vous faites pour l'Allemagne, c'est peut-être très bien pour l'Allemagne, mais en France, on a une démographie, on a une jeunesse, on a 50% de taux de chômage dans les quartiers. Je n'applique plus votre politique. C'est fini. La directive travailleurs détachés, à compter de la semaine prochaine, elle n'est plus appliquée en France. Je vais vous dire ce que j'ai vu. J'étais la semaine dernière à côté de Cambrai. Des chauffeurs routiers d'une entreprise dépendant de la SNCF, Geodis, qui vient d'acheter par exemple 50 camions immatriculés en République tchèque, mis à Metz. On fait partir les chauffeurs routiers français, on les remplace par des esclaves, tchèques, roumains, polonais, et les types, ils pleuraient devant moi. Ils ont toujours voté socialiste. Cette fois-ci, ils m'ont dit, nous, c'est fini. On votera ou pour Marine Le Pen ou pour vous. C'est fini. On ne votera plus socialiste. Ça, ça coûte rien de dire, on n'applique plus la directive travailleurs détachés. Et là, 350 000 emplois. Vous pouvez relancer la croissance. J'étais à Dunkerque, deuxième chantier de France, fait par EDF. Deuxième chantier de France, 1400 travailleurs roumains, 400 français. Les types, ils pleuraient. Et quand les ministres sont venus, Valls et Sapin sont venus, avant que Valls soit Premier ministre, vous savez ce qu'a demandé EDF? Il a dit aux donneurs d'ordre, vous laissez les Roumains dans les campings aux environs de Dunkerque, le temps que les ministres viennent. Et deux heures après, ils étaient tous revenus. Là, ça, c'est insupportable pour les Français. Là où c'est ça ne peut plus durer. Là où c'est trop ça facile. Ça peut plus durer. Là où c'est trop facile, Nicolas Dupont-Aignan, c'est de faire croire qu'il n'y aurait aucune conséquence. Si jamais nous rompions demain, sur ce sujet comme sur d'autres, il y aurait des conséquences pour les Français qui vont aussi à l'extérieur. Pour les cadres dynamiques qui sont à Londres et ailleurs. Pas simplement les cadres dynamiques, il y a aussi les travailleurs, il y a autant de travailleurs qui vont de l'autre côté. Vous avez abandonné le peuple. Mais quand est-ce que vous allez le comprendre? Est-ce qu'on peut dire finalement qu'on ne peut pas se replier sur nous-mêmes? Ils sont trop bien élevés finalement. Ils sont faibles et je vais vous dire, ils défendent leur classe. Hollande a été très ferme vis-à-vis des États-Unis sur l'exception culturelle. J'ai dit bravo. Parce que si on a un beau cinéma français, c'est curieux, vous ne dites pas qu'il est replié, il est protectionniste, il est subventionné et il a des succès magnifiques. Bien sûr. Alors pourquoi les acteurs de cinéma, et bravo, hein, ce n'est pas une critique, eux, ce n'est pas du repli, ce n'est pas de la ringardise, ce n'est pas du souverainisme ringard comme on dit de moi, mais les acteurs de cinéma, ils ont su être défendus. Et pourquoi les ouvriers français, les agriculteurs, ceux qui sont en train de sombrer dans notre pays? Bien. C'est trop compliqué de les défendre. Mais sur les acteurs de cinéma, c'est même encore mieux que ça, puisque nous essayons avec un crédit cinéma d'accueillir ceux qui veulent venir dans notre pourquoi pays. Pourquoi vous ne faites pas la même chose pour les ouvriers français? De venir dans les studios Besson qui sont ici. Et ben alors, parce que l'objectif, c'est de créer de l'activité dans notre pays. Pourquoi vous ne faites pas la même chose pour les ouvriers? Mais si demain on était sur l'enfermement, tant au niveau de l'agriculture que de l'industrie dans notre pays, mais où est-ce que vous vendriez les produits que vous faites ici? C'est bien ça. Ce qui est extraordinaire. Vous attendez à ce qu'il n'y ait aucune répercussion. Nous sommes en concurrence déloyale. Et c'est curieux, les pays qui réussissent dans la mondialisation, ce sont des pays qui se défendent. Le Japon, Singapour, la Malaisie, les États-Unis, l'Allemagne est protectionniste comme jamais. Quand le Brésil veut, par exemple, importer des appareils électroniques au Brésil, il faut construire une usine au Brésil. Ouais, bien sûr. Importer des Peugeot en Chine, il faut construire une usine en Chine. Mais nous, on est les dindons de la farce. Donc, il y a un moment, les Français vont dire, il faut balayer cette classe d'incapables. Ce sont des incapables. Bruno, mais comment vous voulez changer les règles? La concurrence déloyale, ça, c'est un truc qui est avéré. Et bien entendu, et cela, il faut l'harmonisation, qui est l'harmonisation, non, l'harmonisation sociale et fiscale. Mais bien entendu qu'il faut la faire. Mais pour cela, il faut une commission européenne qui soit beaucoup moins libérale, parce que notre problème, c'était trop l'excès de libéralisme ces dernières années. Et c'est en cela que nous proposions une sortie pour une harmonisation bien meilleure en Europe. Il va falloir lutter maintenant pour la voir. Il est président de la République française, votre patron. Attendez, attendez.
Norbert, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi, si je te parle franchement, il faut poser ses burnes, dire que c'est la merde et qu'aujourd'hui, il faut penser à ceux d'en bas. Moi, les discours que j'entends là, je veux dire un truc, j'y comprends que dalle. Moi, j'ai eu deux restaurants, je me suis fait taxer à mort, j'ai pas pu embaucher. On m'a plié en deux, j'ai mis la clé sur la porte, j'ai perdu ma baraque. Heureusement qu'il y a eu Top Chef d'ailleurs. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est le même discours qu'il y a 4 ans quand j'ai plombé. Baissons les charges, augmentons un peu le pouvoir d'achat des gens, laissons faire un peu l'économie qui l'argent revient. L'argent tourne. Voilà. Quoi. Ouais. Après, on verra. On va employer des Roumains. Mais pourquoi? Parce que l'employeur, moi j'ai voulu embaucher, on peut pas embaucher du français. Quand tu donnes 1 500, t'en donnes 3 000 à l'État. Qu'est-ce que tu fais? Tu bosses pour les autres. Alors, t'es employeur, tu fais quoi? Bah, tu fais tout, tu fais du black. Ouais. Hein, on parle de mon vieux là. Il avait 15 marchés, il n'en a plus que 7. Il a tout liquidé, il ne peut plus embaucher. Mais qui a voilà. demandé? Alors, qui a... donc, moi, je veux dire un truc. On parle de tout ce que vous voulez. Baisser les charges des entreprises, augmenter les salaires, plafonner et donner un plancher ou un plafond aux employeurs. Obligez-les. Obligez-la. Par contre, la fonction publique est intéressante. Contrôlez les employeurs à avoir un minima de salaire pour être assuré que le mec qui bosse. Parce que moi, à 1200 euros par mois, je me lève pas, je prends le chômage et je reste à la maison. Et si j'ai du black, je me fais du black à côté. C'est ça la mentalité du français aujourd'hui. Pourquoi tu vas te lever le cul pour 1200 euros par mois à te faire engueuler, à dire que c'est de la merde? Il n'a pas du mal. C'est tout. Pourquoi t'as envie de te lever? On peut me raconter la gauche ou la droite. Mais moi, je vais te dire un truc. Moi, ce que je veux, c'est que dans ma gamelle, j'arrête de bouffer des raviolis. Tu vois ce que je veux dire? Je veux comme tout le monde, les légumes, les beaux produits, les machins, parce que nous, on fait partie aussi, hein, un peu dans l'hypocrisie, les cuisiniers bouffer de la côte de bœuf à 45 balles. Tu verras, tu chieras mieux. C'est pas ça la question. Il dit, il faut baisser les charges. Ouais. Mais en même temps, il pourrait ajouter, mais en même temps, j'aimerais bien qu'on garde le même niveau de protection sociale. Et en même temps, j'aimerais bien qu'on garde les mêmes droits à la retraite. Et en même temps, j'aimerais bien, parce que quand je vais à l'étranger. J'ai supprimé le gaspillage, Bruno. J'avais un truc, je veux répondre à ce que vous dites. Moi, patron, j'avais le droit à rien. J'ai liquidé, j'étais au chômage dû. Couverture sociale, ma cash, ok. Vous dites que on veut les mêmes droits. Mais aujourd'hui, il y a quel droit? T'as pas de mutuelle, mon cul. Tu bouffes des chicots en or. Mais des chicots en argent, là, en bronze, j'en ai eu 4, moi, quand j'ai plus de thunes. Aujourd'hui, si t'as pas une cotisation sociale, enfin, privée, t'as rien. Tu vas à l'hosto, c'est pareil. On devient comme les Américains, sauf qu'on n'ose pas le dire. Et on arrive dans quelque chose qu'on disait avant, il y aura le pauvre, le riche. Au milieu, il n'y a plus rien. Ben voilà. C'est le néant. Très bien. Maintenant, le mot de la fin, ça tombe sur toi. Ah. ce que je trouve intéressant, c'est évidemment ce que vient de dire Norbert, et il ne faut pas que ce soit considéré comme de l'économie de café du commerce. Parce que c'est la réalité, c'est la vraie et il ne faut réalité. Surtout pas écouter ça avec que nos élites écoutent ça avec mépris. Parce que quand on se sent plus écouté, on va vers les extrêmes. Et nous, on a peur du. Pour nous, l'Europe, c'est une forme de libéralisme anglo-saxonne. Ouais. Donc on devient anti-européen, et les Anglais sont anti-européens parce que pour eux, l'Europe, c'est la France. Ouais. Donc, c'est pas y arriver. Absurde, quoi. C'est une très bonne conclusion, merci. Merci, Laurent. Et nous accueillons notre terrien du samedi 20h, ce soir, Christian Streff, bonsoir. Bonsoir. Alors, Christian Streff, en 2008, vous êtes le patron du groupe PSA Peugeot Citroën, et le 11 mai de cette année-là, en fin de matinée, vous êtes terrassé par un AVC dans votre bureau. Quelques jours plus tard, quand vous vous réveillez sur un lit d'hôpital, vous réalisez que vous avez tout oublié, jusqu'au prénom de vos enfants. Il vous faudra tout réapprendre. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour « Elle est pas belle, la vie ?» Marianne. Alors, je pratique le sursaut républicain. Ah ouais. Je sais pas si c'est efficace, mais c'est ce que je lis partout sur Facebook. Il faut se mobiliser. Et sur Facebook, on en arrive à des actes d'héroïsme assez radicaux et qui font du bien. Là, j'ai vu passer un post. Quand j'ai appris qu'un ami de mes amis, que j'avais accepté comme ami, s'était réjoui d'avoir voté Front National, je l'ai tout de suite supprimé de mes amis. Je sais pas pour vous, mais pour moi, ce n'est plus un ami. Putain, le maquis du Vercors n'a qu'à bien se tenir. C'est beau l'engagement au XXIe siècle. Ça te coûte un clic. Hollande. Ah. Ouais. Après la déculottée électorale, enfin la déculottée, la double pénétration. Alors, parce qu'il est municipal avant, donc ça compte double, quoi. Je veux dire, là, c'est. Non, de toute façon, on sait que pour le PS, la prochaine échéance, c'est la présidentielle. De 2037. Alors. Fort de ce bilan, notre président, il s'est dit « Je vais aller négocier avec l'Allemagne. » Maintenant, au moins, on sait ce qu'il partageait avec Ségolène. C'était son amour pour la science-fiction. C'est vraiment le cancre qui vient au conseil de classe et qui dit « Bon, les gars, moi, j'ai fait 0 sur 20 à l'interro. Il serait peut-être temps de changer le barème de notation. »
Et j'imagine la tronche des autres quand il arrive, il doit se dire, bon, comment lui dire qu'il est mauvais sans le démotiver. Non, mais il faut pas casser l'élan. Mais si, tu peux... Encouragement du jury, tu vois. Le mec, il fait 13% quand les autres, ils font 35-40 en moyenne. Son prochain grand discours, je vois, non, il faut pas réformer la dictée, mais l'orthographe, tu vois, ça va être ça. En gros, le couple franco-allemand, ça ressemble à un pitch classique de comédie romantique. T'as la bonne élève de la classe, un peu rondouillarde, qui se prend d'affection pour l'handicapé que tout le monde rejette. C'est Cameron Diaz sous cholestérol qui flash sur Rain Man sans capacité de calcul. Alors, attention, ce coup-ci, Hollande a prévenu, hein. Cette fois-ci, moi, j'y vais pour parler d'emploi, de croissance, d'investissement. Parce que jusque-là, il leur causait de quoi? De ses calculs rénaux et du dernier disque de Shakira? Percée du Front National. Alors, séisme, choc, tremblement de terre, raz-de-marée, c'est la semaine Haroun Taziev. Hein. C'est la France est foutue. Alors, une fois de plus, il paraît que les nazis sont à nos portes. Peut-être. Mais pour une fois qu'il marche vers l'Allemagne... Alors, certains disent, si le FN fait 25%, c'est à cause des abstentionnistes. C'est vrai. S'ils avaient voté, le FN aurait fait plus. Alors, les mauvaises langues disent que le FN devient un parti de cumulards. C'est de la mauvaise foi, quoi. On peut tout à fait cumuler un mandat européen avec un boulot de vigile ou de maître chien. Non ? Non, je sais pas. Copé démissionne. Salut, Pandéonéon. Salut, Pandéonéon. À force de réclamer la démission des autres, à un moment, ça se retourne contre vous. Bah oui. Moi, je suis sûr que si Robespierre avait réclamé moins de tronches à guillotiner, il aurait peut-être encore senti ses doigts de pied quand il a regardé la foule pour la dernière fois. Parce que là, Jean-François, je m'adresse. Jean-François, il te reste 15 jours à la tête de l'UMP. Faut vraiment en profiter pour ranger ta chambre. Mettre de l'ordre dans tes dossiers, 15 jours pour expédier les affaires courantes, donc en gros détruire les preuves. Je veux dire, même en téléchargeant aujourd'hui Mac Cleaner ou Windows Restauration, j'ai l'intuition que ça suffira pas. Alors moi je veux bien t'aider pour faire la procédure parce que moi tu vas me manquer. Avec Fillon, c'était un couple. Ouais. On aurait dit deux funesses qui tapent sur le casque de Bourvil. C'est vraiment... Alors, non, je vais t'aider. Alors, déjà, je sais pas si t'as un Mac ou un PC. Bon, un PC, vu les initiales... Je doute que t'as ça, mais comme t'es un mec tordu, je pense que t'as un PC. Donc, t'appuies sur Power. Alors, tu vas entendre un bruit de ventilateur. C'est normal, c'est pour aérer les bits. Parce que les bits au repos, ça fait des nœuds, faut les régénérer. Bon. Là, tu t'excites pas, faut attendre un peu. Si ça traîne un peu, c'est normal. Si ça traîne beaucoup, c'est que t'es chez Free. Et là, il faut savoir que ton ordinateur envoie un signal sur le portable d'un technicien qui doit aller brancher un câble sauvage sur un relais orange. Et pour peu que le mec soit en pause café... Une fois que c'est allumé, si t'as une alerte comme quoi tes contacts ont disparu, ne t'inquiète pas, c'est la confirmation qu'en fait t'es chez Orange. Bon, a priori t'as l'écran devant toi. Tu vas en bas à gauche. Je sais, prends sur toi, c'est un effort. T'as remarqué que les programmes sont en bas à gauche et la poubelle en bas à droite. Comme quoi, bon. En bas à gauche, t'as un petit rond avec un drapeau de la Gay Pride. Tu vas cliquer dessus, tu vas dans Programme, Office, tout, Excel, PowerPoint, tout. Dans Excel, tu vas dans les tableaux. Si dans les tableaux, il y a des chiffres avec au minimum 6 zéros, on est bon. D'ailleurs, a priori, tu verras, c'est enregistré sous le budget capsule à café. Bon, t'es un malin, c'est comme ça. De toi à moi, Jean-François, je sens que tu vas tomber sur beaucoup de tableaux. Et que l'aller-retour bureau Corbeil, ça va te prendre 2-3 ans minimum. Donc mon conseil, tu prends ton ordi, tu ouvres ta fenêtre, tu passes la tête par la fenêtre. Si tu constates qu'il y a bien 6 étages en dessous, tu balances tout dans la cour. Maintenant, si en jetant ton ordi, tu remarques que la prise s'est arrachée en même temps, que ça fait un court-circuit et que ton armoire à fusibles est en train de cramer, que ton appartement brûle, pas de panique, c'est un signe du destin, profite.
Bonne nouvelle, voyage émouvant du pape. Il a proposé à Shimon Peres et Mahmoud Abbas de prier au Vatican. C'est chouette, hein, inviter un musulman et un juif, prier ensemble. C'est, en gros, c'est comme demander à un mari cocu et à l'amant de se prendre par la main et de souhaiter à l'autre d'être très heureux en amour. Oui. Alors, pas belle la vie ? Voilà, c'était Gaspard Proust. Je vous retrouverai ici la semaine prochaine. Et d'ici là, demain, à 15h sur Canal et sur canalplus.fr. On passe maintenant à notre terrien du samedi 20h. Christian Streffre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 21 septembre 1954 à Sarrebourg, en Moselle. Père fonctionnaire à la sous-préfecture, mère femme au foyer, deux frères et une sœur. Alors, dès votre plus jeune âge, les profs détectent de grandes facilités pour le travail scolaire. Votre truc, c'est le calcul mental. Hein ? Pas mauvais, oui. Ouais. Pas mauvais. Après un bac S, vous orientez naturellement vers les grandes écoles. Ce sera l'école des mines où vous révélez, en plus de vos facilités, une incroyable force de travail. Vous êtes capable de retenir par cœur des pages et des pages de calculs complexes. Vous n'avez pas fait Polytechnique parce que vous étiez un peu antimilitariste à l'époque. Un peu, oui, oui. Et vous sortez major quand même. Oui. Pas mal. Alors, vous commencez votre carrière professionnelle en 1979 chez Saint-Gobain, où le PDG de la boîte, Jean-Louis Beffa, vous prend sous son aile et vous gravissez les échelons. Et en 2004, à l'âge de 49 ans, vous êtes intronisé dauphin, successeur possible en tous les cas, de Jean-Louis Beffa. En 2006, Thierry Breton, qui est alors ministre de l'économie, vous confie la direction d'Airbus. Alors votre projet, c'est un plan de restructuration avec 2 milliards d'économies, ce qui implique évidemment des suppressions d'emplois, et la pilule passe très très mal. Et 100 jours après votre prise de fonction, c'est pas beaucoup, vous démissionnez. C'était une phase très difficile d'Airbus à l'époque. Hein. Ouais. Et là, vous prenez la tête de PSA, donc Peugeot Citroën. Et là, vous avez travaillé comme un malade, 15 heures par jour aux quatre coins de la planète. Vous dormez trop peu, vous buvez beaucoup de café. Vous allez un peu au-delà de vos limites à cette époque, non ? C'est sûr que bon, ça fait 200 000 personnes. Ouais. Et beaucoup, beaucoup de travail, c'est clair. Ouais. Le 11 mai 2008, comme à votre habitude, vous arrivez au bureau à 7 h du matin et après un café, vous commencez à enchaîner les rendez-vous et à 11 h, malgré 4 cafés, vous vous sentez un petit peu fatigué. Vous demandez à votre secrétaire d'arrêter la séquence des rendez-vous. Vous vous sentez lourd, incapable de travailler à ce moment-là. Oui, ce qui ne m'arrivait pas le matin. Oui. Ça m'a étonné. Très fatigué, alors vous décidez de faire l'une de vos habituelles petites siestes, donc allongée sur le sol. Et là, votre vie bascule. Sans attendre l'ambulance, votre chauffeur vous emmène à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et là, c'est le grand blanc. Vous ne vous souvenez plus de rien à ce moment-là. Bah, je lui dois beaucoup. Je dois beaucoup à ma secrétaire et à, ouais, à mon chauffeur. Alors, est-ce que vous reprenez conscience ? Vous voulez retourner au bureau, évidemment. Vous dites, vous êtes un homme de devoir. Vous êtes très agité, mais l'après-midi, vous vous mettez à plus parler français. C'est, vous faites des mots qui n'existent pas, en fait. La pluance et l'encture. Oui, voilà. Je pensais parfaitement comprendre tout ce qui se passait autour de moi. Ouais. Et bien sûr, je m'énervais parce qu'on se décidait pas à me ramener au boulot, quoi. En fait, vous venez de faire un AVC. En fait, c'est le deuxième. 8 jours plus tôt, vous étiez réveillé complètement insensible du côté droit. Et après un bref passage à l'hôpital américain, vous aviez repris votre travail, comme d'habitude, de 6h à 22h. Vous n'avez pas du tout tenu compte de cet avertissement-là. Non, non. J'ai même convaincu les médecins que c'était rien. Et là, donc, à l'hôpital, quand vous y êtes, donc, vous faites votre troisième AVC. Et là, vous comprenez qu'il va vous falloir une période de récupération, que vous n'allez pas vous en sortir comme ça, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Là, vous acceptez à ce moment-là le rythme médical, et quand arrivent les premiers tests psychologiques, vous êtes persuadé à ce moment-là que votre tête s'est remise à fonctionner comme avant, mais les premiers résultats de ces tests psychologiques sont absolument désastreux, en fait. Oui, je l'ai entendu, mais c'est tout.
Ce qui vous dérange le plus, en fait, c'est que vous n'arrivez pas à retrouver votre vitesse de raisonnement, votre vitesse de ouais. calcul, vos réflexes, vos souvenirs. Oui, j'avais une obsession, c'est de me remettre à diriger PSA. Ouais. Et tout ce qui était en cours de négociation ou de lancement. Ou de, là, vous avez le sentiment d'un abandon de poste qui est terrible pour quelqu'un comme vous, j'imagine. Ouais, ouais. Et là, en fait, Samson, votre docteur, vous dit, vous pouvez récupérer ce qui a été perdu, mais ça va être très long. Il va falloir identifier les contenus manquants. C'est comme sur un disque dur. Hein. Il va falloir travailler avec un orthophoniste. Je me suis dit, c'est pas possible d'inventer des choses comme ça. Quoi. Ouais, vous ne l'admettez pas. Oui. Non. Hein. Et finalement, vous découvrez quand même à ce moment-là que vous avez du mal à nommer vos collaborateurs. Même mes enfants. Même vos enfants. Ouais. Sylvain, Marion, Lucie, mes trois enfants, je pouvais les voir, les avoir en face de moi sans être capable de les nommer. Ouais. C'est assez dur, ça. Docteur vous dit, en général, ça revient en partie. Alors là, vous êtes perdu. Vous vous demandez, est-ce que je pourrais vivre normalement et diriger PSA? Et le Toubib vous répond, vive normalement, oui. J'en ai conclu qu'il fallait que je conclue moi-même sur PSA. Ouais. Donc je conclue oui. Ouais. Alors le travail de réappropriation commence. Vous apprenez à nommer les gens, à lire un article, à le restituer. C'est compliqué pour vous. On vous fait lire un petit papier dans la presse. On vous dit qu'est-ce que vous avez lu. Vous avez du mal à raconter ce que vous avez lu. Ça m'a même énormément énervé qu'on me fasse lire un article pour me demander de... Ouais. d'en faire la synthèse, alors que bon, la synthèse, je savais faire, et ainsi de suite, et me rendre compte que j'y arrivais pas, que le même article, le lendemain, j'y arrivais toujours pas, c'était assez dur. À l'époque, j'ai un problème aussi avec le prix des choses, c'est-à-dire, vous dites, le pain, ça coûte ça, une voiture, ça coûte ça, c'est-à-dire, vous avez plus même le sens du prix des choses, quoi. Et mon numéro de code pour rentrer chez moi... Ouais. Vous faites des progrès assez rapides, hein. Quelques mois plus tard, vous semblez avoir retrouvé vos facultés intellectuelles, et quand la famille Peugeot vous demande de reprendre votre travail, vous dites oui. Oui, oui. J'ai toujours dit oui, en fait. Alors, la seule contrainte que vous demandez à ce moment-là, c'est d'avoir une heure ou deux par jour pour faire des exercices d'orthophonie. Et puis, vous avez besoin de dormir. Ça aussi, le docteur Samson vous l'a bien répété. Vous êtes obligé de dormir 2 ou 3 heures de plus que d'habitude, quand même. Oui, au départ, 5-6, et progressivement... Ouais. Parce que c'est ça, finalement, qui permet au cerveau, je pense, de reconstituer les parties qui ont disparu. Ouais. En fait, quand vous avez dit oui à Thierry Peugeot, vous n'aviez pas demandé son avis au docteur Samson. Non. J'ai demandé l'avis de personne, pour tout vous dire. Pas celui de mon épouse non plus. Ouais. Alors, la première semaine, vous donnez le change. Hein. Vous faites une présentation des résultats trimestriels qui est un succès. Pourtant, tout le monde vous regarde. Tous les analystes financiers sont à l'affût. Ils m'ont même demandé si tout allait bien. Voilà, du moindre faux pas, hein, mais c'est un succès. Mais ce que vous ne dites pas dans cette réunion, c'est que ce que vous venez de présenter, ça vous a pris un mois de préparation, alors que d'habitude... C'est 2 heures. Voilà. Ça, vous ne le dites pas. Non, je ne l'ai pas dit. Et peu à peu, avec le temps qui passait, je me suis dit quand même que j'étais en train d'y arriver, peu à peu. Ouais. Et c'est là qu'un dimanche à midi, Thierry Peugeot vous informe que le conseil va vous démettre 2 heures plus tard. Ce que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est qu'il m'ait informé 2 heures avant. Parce que même malade, j'étais grand. Oui. Alors vous aviez une intimité sérieuse avec lui, quoi, quand même. Oui, je pense. Ouais. Ouais. C'est ça, les capitalistes, Christian. Oh, je crois plutôt que c'est les hommes. Oui. Alors là, vous partez donc de PSA. Vous retrouvez finalement la vie à laquelle vous aviez renoncé à l'âge de 25 ans. Oui, ou peu à peu. Ouais. Le boulot m'a mangé progressivement. Ouais. Et c'est lorsque je suis devenu DG de Saint-Gobain que j'ai plongé là-dedans complètement. Là, vous retrouvez le plaisir de lire le journal au soleil, de lire des bouquins, de vous balader en forêt. Faire un sudoku. Voilà. J'ai même aujourd'hui le bonheur d'être grand-père. Voilà, oui. Alors, vous apprenez aussi, ce qui est très différent de votre vie précédente, c'est apprendre les choses comme elles viennent et non plus à vouloir tout diriger. Quoi. C'est... Ça, c'était très difficile. Oui. Ça l'est encore. Alors, aujourd'hui, vous n'êtes plus PDG du CAC 40, mais vous êtes quand même vice-président de Safran. Vous êtes membre du conseil d'administration de ThyssenKrupp,
Donc, je veux dire, ça va, c'est bien revenu, là, quand même. Oui, à peu près, oui. Alors, il m'arrive quelques trous de mémoire, quelques petits décalages. Ouais. Mais bon, plus personne ne s'en rend compte. Ouais, vous êtes sorti, quoi. Oui, oui, aujourd'hui, je pense vraiment... Mais, finalement, quelle morale vous tirez de cette histoire, alors? Est-ce que, finalement, ça n'a pas été une révolte de votre moi profond qui vous a amené finalement à faire ce que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire à vous occuper tranquillement de votre femme, de quelques affaires, des boîtes que vous aidez à sortir du trou. Est-ce que finalement, ce n'est pas une bonne chose? En tout cas, pour ma famille, c'est clair que c'est une bonne chose. Pour moi aussi, je pense que d'être sorti d'un rythme du rythme de folie que j'avais acquis en étant patron de PSA... Maintenant, en même temps, je me dis que si aujourd'hui je devenais patron de PSA, ce qui n'est pas du tout prévu, ni prévisible, ni possible, je pense, je prendrais le même boulot, j'accomplirais, je pense, le même boulot en travaillant moins. Parce que, bon, en 3 ans, j'ai réfléchi à toutes les erreurs que j'ai faites avant. Ça va, là? Ça va bien. Vous avez l'air, en tous les cas. Ça va très, très bien, oui. Alors, Christian, cette histoire, vous la racontez dans un livre intitulé « J'étais un homme pressé », publié au Cherche Midi. Merci de votre témoignage. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Salut les Terriens. Pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.